Nous voici donc rendus à la dernière vidéo des tutoriels ou vidéos didactiques. Alors, pour commencer, on va apprendre donc comment passer des blocs de pictogrammes à aller au bloc texte. Si vous êtes au préscolaire ou avec des élèves non lecteurs, je vous suggère de rester avec les pictogrammes. Si vous êtes au premier ou deuxième cycle et que vos élèves savent, je vous invite à passer au bloc de texte. Alors, voici ce que ça donne. Premièrement, si on veut faire cet essai-ci, on va nous demander de brancher le moteur dans le port A. Et on voit donc les blocs. Donc, le bloc toujours jaune pour le départ. Les blocs bleus associés au mouvement. Alors, on voit bien ici que c'est le moteur A. On aurait pu faire défiler pour choisir le moteur B. Et on peut donc faire le test. On peut soit appuyer sur la flèche du bloc jaune ou en bas directement pour jouer. Et on va voir que notre programme fonctionne, donc il tourne. Il devra s'arrêter en appuyant sur le carré rouge, donc stop, puisqu'on n'a pas mis de bloc d'arrêt autrement. Si je poursuis à la dernière étape, on nous invite donc à changer les valeurs pour voir ce qui arrive. Alors, je vous laisse expérimenter et découvrir de nombreux blocs liés aux différents éléments. Alors, bonne expérimentation!